Salut les petits amis, alors pour cette nouvelle revue Transformers, je tenais à vous parler donc du KFC Heavy Metal Citizen Steak. Donc un gros coup de cœur que j'ai eu aussi il y a quelques temps. Alors un concurrent direct, on peut le dire, du MP22 Ultra Magnus de chez Takara. Donc voilà, pour vous en parler un petit peu plus, bah, je vais déjà faire un petit tour du propriétaire. Donc pour le packaging. Alors ouais, c'est KFC, donc pour les petits comiques, les petits kékés du dimanche, ce ne sont pas les chicken nuggets hein, qui fabriquent ces joujoux-là. Hein, KFC veut juste dire Kids Fantasy Club, donc la société de production de ces petites merveilles qui sont malheureusement tirées bien souvent à très peu d'exemplaires. Donc il s'agit de la seconde version. Voilà, donc Heavy Metal. Donc Impondable, Autonomous, Virulent Infantry. Voilà, on vous met tout de suite dans le bain, c'est un gros guerrier. Sur le côté, pas grand chose, warning, pour les grands enfants comme nous, les adolescents. Oui, oui. Voilà, ici, donc, on a une petite bio concernant le personnage. Avec les photos panoramiques, en fait, du véhicule et les petits gimmicks qu'on retrouve aussi sur le MP22 Ultra Magnus, donc rien de transcendant dans cette box. Le principal, c'est que le contenu, lui, est de toute beauté. Donc, concernant le contenu du packaging, on va retrouver ce qu'on a souvent avec certains TF, et notamment les IDW, donc le comics. Voilà. Plutôt pas mauvais, le dessin n'est pas exceptionnel, mais bon, ça va, présente bien le personnage qu'on trouve juste ici. Voilà, petit truc sympa, moi j'aime bien trouver ça dans mes box en général. Et puis juste à la fin, on a le manuel, donc toujours aussi succinct, ce qui est un petit peu dommage, hein. Il y a certaines choses qu'il faut faire au feeling qui ne sont pas forcément précisées, ou alors dans le bon sens. Mais bon, dans l'ensemble, il n'est pas trop complexe. Et on a aussi la fameuse petite carte avec ses specs. Alors, je sais pas, ouais. Ça va être chelé ou là. Voilà. Donc, bah ouais, il est ce qu'il est, il n'y a pas à dire. Vu le mastodonte. Et juste ici, un petit art. Donc. Bon, il est pas terrible, je trouve pas le dessin vraiment sensationnel. Il est chouette, mais point barre. Donc du carton légèrement plastifié, pas de carte façon collector rigide. Donc voilà pour le contenu du packaging. On va passer maintenant au principal. Le Citizen Steak. Voici, le voilà. Donc comme on peut voir, on a affaire à un superbe joujou, très bien adapté au masterpiece. Voilà. Assez imposant, comme le MP22. Je vais faire quelques gros plans parce que voilà, vous faire voir un petit peu la finition qui n'a pas envié grand chose. À son concurrent. Donc de superbes chromes. On retrouve l'emblème KFC juste ici. Une petite grille donc qui est amovible. Donc moi je l'ai laissé parce que j'ai trouvé que bah ça lui permettait de se distinguer un petit peu mieux d'Optimus. Voilà. Très joli détail. Les vitres bleutées, très joli aussi. Sur le côté, avec tous ces reflets, là, regardez-moi ça, waouh,
Shiny. Ces gros lance-missiles. Autre chose que j'aime bien retrouver dans les véhicules TF et notamment les masterpieces, ce sont ces pneus-là, les pneus gomme qui me rappellent systématiquement mon enfance. C'est bon vieux pneu gomme. On peut regarder aussi niveau finition. Je vais pas faire de comparatif, je vais essayer de rester objectif par rapport au MP22 Ultra Magnus, mais là on voit qu'on a déjà voilà, concernant la finition, on a matière. On n'a pas juste un truc bleu, rouge et blanc et basta. On a le droit de chouette finition tout en chrome. Voilà, pour se démarquer du rouge mat de base. Voilà, donc on se dit qu'on n'est pas obligé là de passer chez Repro Labels pour ajouter un peu de ceci, un petit peu de cela. Regardez-moi ça, si c'est joli. Ensemble comme ça, visserie de charnière. Là encore les panneaux, une belle finition. On les reprend ce que j'ai bien entendu utilisé, hein, puisqu'il s'agit d'un third party, donc c'est pas fourni. Voilà pour l'arrière. Donc là aussi, hein, c'est pas du basique, c'est pas du tout blanc. On retrouve les éléments caractéristiques du jouet G1 et du cartoon. L'arrière donc qui s'abaisse, puisque c'est un convoyeur de véhicules. Un bon vieux Kenworth cassant, comme pour Optimus. Voilà, on peut noter qu'il roule bien. Rien qui grince. Chouette pépère. J'aime beaucoup, il me fait bien kiffer. On peut le comparer justement au niveau comparatif, voilà, on peut le mettre côte à côte avec son aîné, Papy Manus. Voilà, donc on retrouve hein, voilà, les missiles, la même forme de cabine, les stries grisées sur les côtés. Voilà, ces petites lignes là qui sont en supplément. On peut voir également voilà, une belle évolution. Une belle et chouette réussite. Personnellement, on retrouve pas mal de points communs quand même avec le géant. La petite particularité aussi de hop, voilà, de pouvoir enlever les lance-missiles et puis de les placer juste ici. Moi, j'aime bien aussi cette façon. Fait penser un peu à la version classique, c'est le trailer de NK et le trailer Fans Project. Voilà, bien, bien agressif, un beau bleu bien sombre. Moi, j'aime beaucoup. Vraiment très très bon, non, excusez-moi du terme, mais faut vraiment l'avoir en main. L'arme qui est juste ici. Hop. Donc pareil, on a quelque chose qui, même si c'est monochrome, c'est en argenté aussi. Avec des belles petites finitions. Des beaux reliefs. Une belle pièce, bon et long gun, j'aime bien, il correspond bien à la morphologie, on n'a pas voilà, ni trop long ni trop petit. Je le trouve vraiment sympa. Toujours dans les comparaisons et pour voir qu'il est vraiment bien adapté avec les masterpieces, on va le comparer inévitablement avec Sieur Optimus. Voilà. Donc on se rend compte qu'on a des cabines voilà, à la même échelle. Voilà, celui-ci a un look un peu plus agressif, un autre type de Kenworth cassant. Là, pour bien démarquer. Les deux soldats.
elle signe avec Blue Streak. Voilà, pareil. Il a bien sa place. Voilà. Quelque chose qui reste bien, bien dans la cohésion Masterpiece. Donc oui, on peut l'exposer sans rougir avec ses MP de chez Takara ou Hasbro. Il n'y a pas de souci à avoir. Là, avec son pote Bone et Bumblebee, voilà. Voilà, une bonne cohérence dans l'ensemble. Tout comme le Manus G1 ou le MP22, donc il est possible. Hop. Donc d'avoir ce gimmick qui permet, voilà, de positionner. Hop, on va refermer comme ça. Hop, ça peut être bien sympa en display aussi. Un petit peu de place à ton poteau, voilà. Et voilà, la joyeuse troupe est prête. J'aime beaucoup, il n'y a pas à chier, de toute façon je pourrais le dire autant de fois que je veux. Celui qui n'a pas compris que j'avais vraiment bien fâché sur ce chouette bébé. Voilà. Seul petit bémol, j'aurais préféré que la remorque soit légèrement plus haute. Parce que c'est vrai que le streak, voilà, on voit à peu près la hauteur. On sent que quand on rentre le véhicule à l'intérieur, ça a tendance à un petit peu accrocher. Que ce soit au niveau de la hauteur ou de la longueur, j'aurais préféré avoir une remorque un peu plus longue. Pour pouvoir, pourquoi pas, mettre carrément de grands modèles. Mais là, ouais, c'est... Voilà, dans la réalité, on voit ça, on se dit, ouais, il y a un petit malaise, quoi. Mais bon, voilà, c'est du détail. Je pense que Le MP22, justement, lui, de son côté, doit avoir une remorque un peu mieux terminée à ce niveau-là. Donc, on va passer à l'étape de la transformation. Donc, le gun est déjà retiré. Hein, il se positionnait juste ici. On va retirer, voilà, les lance-missiles. Alors, je vais essayer de jongler. Alors, on voit aussi, voilà, que les cheminées, comme pour Optimus, sont télescopiques. Donc, pour la transformation, j'espère que je vais pas avoir trop de hors-champ. Voilà, on lève ces deux parties ici. On soulève, voilà, ces deux pièces-là qui maintiennent donc les bras droits en toute sécurité, même avec du poids. On rajoute par-dessus via un véhicule. On écarte les pièces sur les côtés. Et on peut séparer les bras. Voilà. Donc, ensuite, pour les jambes, même chose. On sépare. On ramène en avant. Et on vient. Vous voyez, c'est cette pièce-là. Donc, on vient. Voilà. Étirer. C'est du sport, hein. Tout est vraiment parfaitement emboîté. Alors pour les jambes, je vais essayer de pas avoir cet effet mannequin désarticulé. On vient rabattre comme ceci. Là, vous allez avoir tout autour. Je me prépare déjà cette partie-là. Vous allez avoir tout autour donc les parties latérales qui vont venir se replier et englober donc la totalité de la jambe. Alors petite chose,
vous avez un petit volet ici, donc qu'il faut rabattre. Voilà, et qui va venir se clipser et fixer l'ensemble. Un petit cargo juste ici. Hop, on clique, c'est coincé, c'est sécurisé. Ici, on va remonter donc l'avant des pieds. Vous remarquerez là, si vous faites mumuse dans le sable, il peut laisser ses empreintes. Voilà, les talons aussi, donc avec des mouvements qui lui permet de pouvoir adopter pas mal de positions. C'est bien l'ergot. Voilà. Et la boulette que j'ai faite, évidemment. Voilà, je n'ai pas pensé. Cette jambe-ci. Ensuite, même chose pour cette jambe-là. Donc, on va faire basculer toute cette partie-là. On déplie. Et on vient englober. Que je ne me fasse pas voir une deuxième fois. Voilà, baby. On vient englober le tout. Pied, talon. Voilà. Et là, on a les jambes. Ensuite, j'essaie de lever un peu. Hop là. Ensuite, pour le bassin, donc là vous avez la tête d'Ultramagnus. Vous rentrez les deux petits réservoirs à essence qui se trouvent juste en dessous. Vous faites basculer la cabine, hop, de façon à ce que tout vienne, voilà, s'emboîter pour former l'intégralité du buste. Hop, donc là vous avez une double pièce qui vient se rabattre. Vous sortez les petits ergots, voilà, vous rabattez cette pièce là. Là vous avez les petits ergots qu'on va venir rabattre par-dessus cette pièce-là pour bien loquer le tout. Pareil ici. Et voilà, comme ceci. Et là, nous avons le bassin. Un peu plus, voilà. Donc ensuite, toujours au niveau des bras, donc ces pièces là vous allez les glisser de chaque côté, à venir clipser juste ici. Là vous avez, voilà, la petite fente, le petit cargo, vous loquez bien. Idem ici, hop, on lock. Donc ensuite, pour les épaules, on pousse au maximum. Idem pour celle-ci. Je vais faire mon sens là.
un pouce au maximum. Ensuite, on peut rabattre ces parties-là et cette partie-là. Alors encore une fois, on peut admirer la petite finition au niveau des mains. Alors déjà, je vais faire coulisser cette partie-là. On voit encore une jolie finition, c'est pas juste de la main blanche. Voilà, les doigts sont entièrement et individuellement écartés. Bon, heureusement, en même temps, vu la taille et l'échelle, ce serait quand même un peu dommage. Cette pièce-là, même chose. Hop, je la fais coulisser. Vous voyez comme il est content. Je peux faire fuck. Voilà. Et ça, un Transformers qui est capable de faire fuck, moi je dis c'est que du bonheur. Ouais. Yeah. Voilà. Un gros plan sur le visage. Voilà, une belle petite gueule aussi. Bien sympathique. Alors, bémol aussi, hein, là je trouve la tête un peu plate. Un peu plat plate. Alors, je pense que je viendrai certainement en kit de chez SXS qui propose en plus une visière escamotable hein, qui lui fait une meilleure gueule. Et voilà, en gros, ce que donne. Donc le Citizen Steak. Alors même si c'est pas du KFC Chicken Nuggets, on a quand même à faire un sacré beau steak. Voilà. Donc on peut lui ajouter au niveau de chaque épaule ses lance-missiles. Beau comme tout. Super bébête. Au niveau des articulations, voilà, rotation complète des épaules. Il peut faire aussi sa pub Dove. Sentez mes aisselles. Ça sent pas la vaisselle. Voilà, une amplitude, un coup de bassin et un fuck. Comme il se doit. Come on, baby! Ouais. Voilà. Donc, articulation aussi. Articulation des jambes. Du ratchet. Ça tient. C'est du dur. Toujours en parlant de finition. Voilà, on va retrouver tous ces petits détails qu'on avait sous forme de mode halt. Et là, on se retrouve avec toute cette jolie finition qui n'est pas qui est pas perdue dans son coin. On la voit bien. C'est juste l'intérieur de la jambe, mais voilà ce que ça donne, quoi. C'est ouais, c'est du tout beau quand même. Une finition vraiment aux petits oignons, moi j'aime beaucoup.
toujours dans les gimmicks, on va retrouver la même chose que pour le MP22 Ultra Magnus, à savoir donc son chest qui s'ouvre en fait. Voilà. Et qui vient révéler la matrice d'Optimus. Un petit peu moins détaillé par contre que pour le MP22, mais j'aime bien malgré tout le système de volet là, comme ça. Toujours avec du silver. Donc vraiment une excellente finition générale. Tient bien en main. Pas de souci là-dessus. Si on le compare avec son aîné, le G1, on voit qu'il y a eu quand même une sacrée évolution en 30 ans. On retrouve des petites caractéristiques communes aux deux. Donc à savoir le dessous des mains, on retrouve cette partie-là. Pour les deux versions, les roues apparentes. On va retrouver aussi voilà la même forme au niveau du chestplate. Voilà. Robot qui a bien marqué son histoire. Qu'on aimerait bien voir un jour, pourquoi pas dans un film. Le petit Père Magnus le mériterait vraiment plus qu'autre chose. Donc, toujours dans le registre de l'échelle. Donc on va voir un petit peu voilà, par rapport à Optimus. Ouais. Il est grand, il n'y a pas. Or l'échelle, je sais pas trop. Certains disent qu'il est un peu trop grand. D'autres un peu trop petit. Moi personnellement, je le trouve plutôt bien adapté. Donc je me plains pas. On a quelque chose qui reste bien dans l'esprit. Hop. Bien dans l'esprit Masterpiece. Cohérence de l'ensemble. Donc, pour celui qui souhaite avoir un Ultra Magnus, donc qui est fan, qui a déjà le G1, bon, personnellement, qui a déjà le Masterpiece, personnellement, à moins d'être un fan ultime, je vois pas trop l'intérêt. Je pense que dès qu'on a l'un ou l'autre, c'est amplement suffisant. Maintenant, il faut vraiment atteindre un accro absolu d'Ultra Magnus. Et avoir aussi le blé pour se permettre d'avoir les deux versions. Les deux versions, franchement, se valent. Ils ont chacun leurs avantages, leurs inconvénients. Mais quoi qu'il en soit, on voit que ce KFC Citizen Steak a vraiment été fait avec beaucoup d'amour. Vraiment un chouette pépère dans son ensemble. Il n'y a vraiment rien à dire. Je refais un tour quand même. Un tour d'horizon pour qu'on voit bien la finition propre et soignée. Rien, même le backpack n'est pas encombrant. Ne pas de poids. On n'a pas cette jupe comme le MP22 qui vient traîner à son cul. On a bien quelque chose. Voilà. Bonne rotation du bassin. L'arrière, c'est pareil. Hein. On a quand même des petites touches de finition. Donc il n'y a pas un endroit qui est oublié. Tout
Tout est parfaitement réalisé et maîtrisé. Donc voilà pour cette revue du Citizen Steak de chez KFC. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à le regarder que moi j'ai de l'avoir. Franchement, je ne peux que le recommander, une fois de plus. M'avait coûté, je crois, dans les 95. Dans les 95 euros quand je l'avais commandé, et bah ouais, le prix ça le fait quoi. Un presque sans faute, on va dire, mis à part le kit SXS que je vais certainement payer pour la tête. Mais sinon, voilà. Un chouette pépère qui saura ravir, c'est lui qui le possède. Voilà les petits amis, bah écoutez, je vous dis à la prochaine. Donc la prochaine, je ferai certainement une revue sur le KFC Transistor, alias Blaster, à l'échelle Masterpiece. Je reste toujours dans le KFC, mais c'est vrai que j'ai eu de très bonnes surprises de leur part. Voilà, donc je vous dis à bientôt. Tchuss, portez-vous bien. Et puis vive les Transformers. Allez, bye!